On connaît bien les rappeurs des villes et des cités. Voici des rappeurs des champs, à la coulant charentaise. Raphaël, alias Peter Rabbit, est un franco-britannique de 24 ans qui a grandi en Dordogne. Garçon très polyvalent, vous pouvez le découvrir ici sur un chantier avec son papa. Là, pour le clip, c'était vraiment de l'improvisation, quoi. J'ai dit à mon pote Tim de se ramener avec sa cam et puis il a pris quelques plans. Et mon père, il était même pas au courant que j'étais en train de tourner un clip. Je suis pas papa, je suis un gamin. Non, non, tiens-moi la main, viens m'aider. Je suis pas capable, je suis qu'un gamin. Comment je peux faire, dis-moi comment je peux faire. Il se démarque assez sur son aspect organique et assez vintage, où là dans le rap il y a quand même une nouvelle tendance qui s'axe assez sur l'autotune. Le samedi 30 mars, Peter Rabbit jouera pour la toute première fois devant un public sur la scène du Roxane de Bergerac pour le festival de rap 24 carats. Le Roxane démarre un tout nouveau cycle avec un nouveau directeur, Pascal Stirn, venu de région parisienne, et une toute nouvelle équipe pleine d'envie et d'ambition. On a cherché, on n'a pas vraiment trouvé d'événements similaires et d'événements qui tournaient autour du rap. On n'en a pas vraiment trouvé et on se trouvait que c'était dommage aussi dans nos objectifs de rajeunir un peu le public, d'avoir des concerts qui sont destinés à un public plus jeune. Ne pas avoir du rap, c'était un peu un crève-cœur. Et dans cette région, on n'en a pas trouvé beaucoup, donc on s'est dit pourquoi pas être les premiers. Ça pourrait être chouette. 24 Carats va se dérouler sur deux week-ends et ça commence ce samedi avec une double affiche, Swing et La Malice.